Ce n'est pas le hasard qui mènera Merry et Pipin dans la forêt de Fangorn. Cours, Merry! Il parle, Merry! L'arbre parle! Un arbre? Je ne suis pas un arbre. Je suis un Ent. Nous, les Ents, nous ne nous sommes pas souciés des guerres des hommes et des magiciens depuis fort longtemps. Mais aujourd'hui, il va se passer des choses qui n'ont pas eu lieu depuis un âge. Les Ents vont entrer en guerre. Venez, mes petits amis. Oui, la dernière marche des Ents. À présent, les événements déclenchés au gouffre de Helm vont trouver leur conclusion. L'Isengard doit être purifié. Et dans l'ombre des arbres de Fangorn, les Uruk-hai de Saruman ne trouveront aucun refuge. La fumée s'élève d'Isengard. L'heure avance. Et vous avancez vers Isengard, dans la tourmente. Car c'est pour ça que vous êtes venu, n'est-ce pas, mon vieil ami? Hâtez-vous à Isengard! Je vais m'occuper d'eux! Vous êtes le déshonneur de votre ordre. Votre esprit rusé est dévoré par la guerre. C'est vous qui répandez la crainte parmi les innocents. Les arbres de Fangorn se sont réveillés. Les fruits cherchent, les branches écrasent et les racines enterrent tout ce qui reste de votre vanité. Brûlez-les tous. Et bon débarras. Thank you.
ces arbres sont une ancienne folie. Il faut les brûler avant qu'ils ne détruisent tout ce qui vit près d'eux. Saruman, l'heure de la fin approche. Que de colère, pitié de vous. Défendez-les. Saruman, Gandalf arrive à Isengard, mais plus pour y chercher votre conseil. T'as détruit le dernier support.